Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau point. Donc d'abord je voulais vous remercier pour votre bienveillance, pour tous vos messages, pour mon rhume qui s'arrête pas, puisque je n'arrive pas à m'en défaire, je n'arrête pas de tousser. Donc je voulais vous remercier parce que c'est super gentil de votre gentillesse, voilà, de tous ces messages que j'ai reçus de bienveillance. Voilà. Donc on va commencer notre point. Donc c'est le point d'évasion. Alors c'est un point que j'avais déjà réalisé mais qui était avec un autre multiple et que je trouve sympa. Et comme j'avais commencé à faire le point et que je ne m'en rappelais plus, bon bah j'ai continué. Mais c'est pas avec le même multiple. Donc voilà. Je vous le refais pour les personnes qui se sont abonnées depuis peu. Voilà, c'est sympa à faire et facile à faire, donc voilà. Et peut-être que j'expliquerai mieux cette fois-ci, je n'en sais rien. Donc c'est un multiple de 5 plus 4 sur 6 rangs. Donc moi j'ai fait 10 plus 4, 14 mailles. Allez, on y va. Alors, surtout ne serrez pas si vous commencez le point comme moi, parce que sinon vous n'arrivez pas à faire... à prendre les mailles et tout, donc c'est un peu compliqué, donc voilà, ça fait pas très joli si vous serrez. Donc maille lisière, on y va, deux envers, un, deux, et là fil devant, on passe les mailles, vous voyez, ça fait pas joli si c'est serré. 1 2 3, deux envers, 1 2, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, 2 envers, et la maille lisière. Deuxième maille lisière, 2 envers, 1, 2, fil derrière, on passe 3 mailles. 1, 2, 3. Fil devant, 2 mailles envers. Fil derrière, on passe 3 mailles. 1, 2, 3. Fil devant, 2 mailles envers. Et la maille lisière. Troisième rang, une lisière. 2 envers, 3 en droit, deux envers, 3 en droit, 2 envers, et la maille lisière. Quatrième, on fera tout à l'envers. Cinquième, on fait la maille lisière, deux envers, 1, 2, une en droit, et là, vous voyez les deux fils là, qu'il y a là, ici là, ces deux fils là, et ben vous les prenez comme ceci, ensemble, on va tricoter une maille, comme ceci. Et ces deux fils là que vous avez, on va les passer par-dessus. Voilà. Et pour bloquer, on va faire une maille en droit. Voilà. On recommence. Deux envers. Un. Deux. Une en droit. On va chercher les deux fils que vous avez là. Une en droit. On passe les deux fils par-dessus.
Et on va bloquer avec une maille en droit. Et on terminera par deux envers et la lisière. Sixième rang, on va le faire tout à l'envers. Alors vous allez voir, les premiers rangs, on voit pas trop le motif, mais c'est quand vous allez commencer à faire quelques dessins, on va dire une 12-18 rangs, le motif va commencer à se voir. Au début, on voit pas grand chose. Je le trouve pas très compliqué et je trouve qu'il fait joli comme point. Voilà. Et voilà. Et vous recommencerez au premier rang. Donc rien de compliqué. Vous voyez? Hop là. Simple. Hop. Voilà, moi je trouve joli. Bon, après, je vous conseille de faire des côtes ou quelque chose parce que là en bas, sinon ça va faire. Sinon, vous laissez, ça fait des vagues, quoi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos. Merci.